Le rythme était dans le vélo ce lundi soir à Luxeuil. Sur la scène, les 16 coureurs en tenue prêts à rouler en Team Continental UCI, la troisième division mondiale du cyclisme. Et quelques heures avant cette soirée, sur les routes de Haute-Saône, par des températures négatives, entraînement pour tout le monde, sur les vélos des cyclistes belges, luxembourgeois et français, et Pascal qui les accompagne dans la voiture. C'est essayer de les aider, les guider le mieux possible et leur montrer le chemin qui reste à parcourir et surtout apporter moi mon expérience au niveau des courses en Belgique, etc. En l'espace de 3 ans, Philippe Wagner a réussi un pari audacieux, celui d'amener au plus haut niveau son équipe de cyclistes. L'idée est née dans son entreprise de charcuterie à Broche en Haute-Saône. 350 salariés et le vélo comme vecteur commun. Fédéré même au-delà des frontières, une équipe belge s'est associée à l'aventure. Il m'a testé l'année dernière et puis il m'a dit tiens, parce qu'il a une équipe, il dit est-ce que tu mettrais un peu de sponsoring sur mes maillots? J'ai dit ok, et puis on a fait un petit billet comme ça pour le principe, et puis on a appris à se connaître. Une visite de l'usine pour découvrir le monde de la charcuterie, les Belges sont emballés par ce projet, surtout que l'un des jeunes coureurs n'est autre que le fils de Johan Musieu, vainqueur du Paris-Roubaix, plusieurs fois champion du monde dans les années 90. Quand on peut gagner une course, ça va être merveilleux. Quand on peut arriver dans les 10 premiers, c'est aussi bien. Les coureurs vont s'élancer d'ici la fin du mois pour plusieurs grands rendez-vous, la Marseillaise et Dubaï, et ils sont bien motivés par ce nouveau défi. Si on est humain et qu'on est ensemble comme une fraternité, comme une famille, au final, c'est plus facile d'avancer. Je suis très heureux de faire partie de cette famille. Je compte vraiment sur cette nouvelle année pour progresser en tant que jeune coureur. Prochaine étape en 2025 avec la deuxième division mondiale et pourquoi pas après le Tour de France.